cul les petits culs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des Sims médiévales. Oh, j'avais pas vu que Châtelaine, Charles Eris, l'illustre, attention, parce qu'on a gagné en petit... Ouais, donc en fait, on va continuer, on va commencer une nouvelle quête. Et je pense que je vais faire... Roi d'un jour. Les sorcières... Adieu sorcière magnifique. Et on va partir avec Aegon. La sorcière doit mourir. Oh là là. Je suis pas sûre, hein. En fait, je voudrais améliorer les défenses, mais effectivement, il nous en reste pas des masses. Donc on va faire quand même celui-là. Aucune force ne peut résister à mon épée. Je l'espère pour toi, Aegon. On est parti. Alors, ce n'était pas le meilleur jour pour être chevalier à Chapitre. C'était le jour de la patrouille en forêt. Et cela signifiait que Aegon le chevalier capitaine aurait l'incroyable chance d'observer des arbres immobiles et d'écouter un silence total. De temps en temps, il était possible d'oxyre un bandit, mais était-ce vraiment un défi? Aegon le chevalier capitaine se dit néanmoins que c'était toujours mieux que la puanteur de la fosse du jugement. Ouais, il a faim! Oh oui, c'est vrai qu'on vient d'avoir un bébé avec notre petite Charles Eris. Avec Aline et ta fille. Mais oui, bah c'est normal, c'est sa mère. Tu viens faire un baiser et embrasser ta femme. Comment elle fait, blablabla, la petite. Donc on a une autre fille avec Charles Eris à Aegon le. Oh, Dagem, Ilbin. Eh, vous êtes tous les deux les parents, hein, je vous ferai dire. Hein. Tu fais des bisous dans le vent, Aegon? C'est un peu bizarre. Voilà un homme avec son enfant dans la cuisine. Allez, tu vas faire à bouffer. C'est ta faim? Eh, t'as 10 000 Simflouz, la vache. Oh, Nubu. Oh non, c'est trop chou! Il lui a fait rigoler. C'est trop marrant. Elle a un petit problème de texture. Hein. Elle a dit qu'elle a les soupes de grenouille. Allez. Ouais, Charles Eris est parti se coucher dans sa nouvelle chambre qu'on avait relookée la dernière fois. Tu marques Aline et ta fille. Alors lui, il est content, c'est une fille, nouvelle amitié, tout comme des fesses d'un bébé. D'accord. Il est un peu 6h du matin, mais t'es en forme, donc on va commencer ta mission. Aller dans la forêt. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, avec les missions d'Aegon, c'est un peu toujours la même chose. Que doit-on faire? Chasser. Attendez. Patrouiller dans la forêt. On va patrouiller dans la forêt. Allez, go! Allez, gonglu. Waouh! L'illustration est magnifique! Cette femme pratique une terrible magie. Regardez tous ces cadavres. Nom de l'observateur. Mais qu'est-ce que c'est que c'était? Une femme ou un genre de monstre? Je dérogeant ce que j'ai vu. Ouais. Allez, dans la salle du trône. Allez, va dans la salle du trône, Coco. Non, je lui fais rentrer à la maison. Je dois les avertir. Oui, tu dois le dire à ta femme. Le souverain ne me croit pas. Pourquoi dois-je patrouiller dans la forêt si mes rapports ne sont pas pris au sérieux? Je vais gérer ça avec des gardes du royaume. Bah, Charles Eris, tu déconnes? Vous êtes quand même mariés. Tu dois faire quoi? Avertir un garde de la présence de la sorcière magnifique. Ok. Avertir de la présence magnifique. Et lui, tu vas
Responsabilité provoquée en duel. Attendez. Voilà, attends, Aegon, ne me perds pas. Il s'est lavé, lui, depuis la dernière fois. Ce garde a vu une femme qui correspondait à ma description. Elle se trouve sur la place de la ville en ce moment même. Je dois aller voir si c'est elle. Ouais, vas-y. C'est laquelle ? Elle lui ressemble, mais son comportement est vraiment différent. De toute évidence, c'est pour tromper le peuple. C'est elle ? Gentille Odeline. Ah non, c'est elle ! Oh, vas-y. Ah ouais, j'adore sa tenue. Bien sûr, bon, les visages sont toujours pourris, hein, parce que c'est du Sims 3. Alors, tu dois faire quoi ? Accuser la sorcière maléfique de sorcellerie. Accusé de sorcellerie. C'est Mélissandre. Odile, la sorcière maléfique. De toute évidence, c'est elle. Je ne peux rien faire ici sans provoquer d'incident. Pour l'instant, je ferais mieux de retourner à la caserne et de me trouver un moyen de m'occuper de cette sorcière maléfique. Toi, par contre, méchant. Mais non, chevalier, c'est ça. Provoquer en duel. Allez, ça fait partie de tes missions, mon petit, donc tu vas y aller tout de suite. Comment ? Mais, on dirait un garde. Merde, il a la même armure que nous. Je savais pas qu'on pouvait. Allez. De toute façon, on le bat quand même, alors. Et danse représente. Allez. On est beaucoup plus fort que lui. Attaque furieuse. Oh la vache. Et position équilibrée. Je savais pas qu'on est. On pouvait gérer comme ça son attaque et tout. Je sais pas si ça a vraiment un rapport, mais bon. Entraîner un sim pendant 2 heures, d'accord. Allez, il a un peu de nerf. Ok, allez à la caserne, allez à cet endroit. Zouf. Que fait la sorcière maléfique ici? C'est impossible. Oh! Prenez quelqu'un. Ça marche, non? Voilà, bah elle est là, tant qu'à faire. Oh, le boucan que ça fait. C'est bon. Parlez à la sorcière de son intrusion. Il l'a entraîné. Ça fait partie de ses attributions. Tiens, boum, connasse. Il a faim. Oui, Rémish. Aussi bla. Ok. Aegon, le chevalier capitaine, s'approcha de l'intruse sans aucune peur. Après l'avoir entraîné pendant une paire d'heures, on lui dira rien. Il lui dit « Tu n'es pas la bienvenue ici, sorcière maléfique. Va-t'en, ou sinon... » « Oh oui !» répondit Odile, la sorcière maléfique, en riant. « Je ne voudrais pas provoquer ta colère, Aegon. Tu pourrais me piquer avec quelque chose déguisé. Si tu es ce que Chabit a de mieux à offrir, alors rien ne m'empêchera d'aspirer toute la vie de cette ville. Je n'ai peut-être pas de pouvoir magique sophistiqué, se dit le chevalier, mais je n'abandonnerai pas sans me battre. » Et donc, tu dois la battre, c'est ça. Aiguiser l'épée et t'entraîner sur le mannequin d'entraînement pendant 1 heure. Tac, tu vas aiguiser ton épée. Et t'entraîner. Oh la vache, la violence! Il va se faire une petite soupe parce que là, il en peut plus. Hein. Une soupe
de tanche. Tiens, ça me rappelle mes collègues quand je dis drôle. Soupe de tanche. Soupe de tanche. Elle tombera sur la lame de mon épée. Je vais tenter d'atterrir dans la forêt loin de la ville. Je vais me faire croire que je jurerai fidélité CMES à Vissot. En attendant, tu vas manger et dormir. Daenerys va bientôt grandir. C'est vrai? Il faut qu'on soit là pour la voir. Oh, viens, viens. Viens. Câliner le bébé. C'est ta fille, hein. Isolement. Mais non, t'as ta fille là. Voilà. Tu réguises ton épée, au moins ça sera fait. Tu grandis quand? Oh bah tu sais quoi, Aegon, tu vas aller dormir avec Charleris. Hein. Tu vas aller dormir là. Allez, zouf. Tu peux. Hein. T'es un peu chez toi ici, hein. C'est plus clair, je préfère. Hein. Fini l'âge du berceau. Félicitations, Daenerys. C'est devenue une heureuse petite fille. Elle est où? Oh, elle a disparu. Elle est là? Elle a les cheveux de son papa. Mais elle a les yeux de qui? La princesse Daenerys. Ça fait peur quand même, non? J'aime pas sa coupe de cheveux. D'accord. Elle est morte de rire. Elle devient enfant, la première chose qu'elle fait, c'est faire des grimaces dans la glace. D'accord. Ok, très bien. Bon, Aegon, tu fais ta nuit. Oh là là, mais... Hey, regardez, ils vont se faire des mamours. Hey, ils peuvent faire crac-crac, vous croyez? Attendez. On va la réveiller. Réveiller. Maison, non. Non, romantique. Je voulais faire un... Embrasser. Romantique. Étreinte romantique. Visite Timmy. Complimenter sa beauté. Attendez. Caresser la joue. Embrasser passionnément. Voilà. On va remettre ça, hein, vu qu'elle fait comme ça, ils vont peut-être un deuxième enfant. Mais quoi? Ils peuvent pas faire crac crac. C'est pas chez lui ou ça va, je sais pas. Ça y est? Ça y est, bah quand même. Les chevaux sur la couette. Ah, c'est bien. Faire crac crac. Allez, hop là. Allez, encore une fois. C'est déjà pas mal. Et s'endormir. Allez, on va finir la nuit quand même. Bah quoi, c'était juste pour aller arriver jusqu'au matin. Qu'est-ce que vous me faites dire là tout de suite, hein? On va faire un petit frère à Daenerys, hein, quand même. C'est un garçon, ce sera Viserys. Voilà. Il a encore faim. Ah, pendant qu'Aegon dormait. Il va contrôler le rêve. Oh, puis je m'en fiche, là, ce coup-ci. Il m'énerve avec leur rêve, en fait. Ça y est, il est réveillé. Non, il va parler à sa fille, répondre à la question.
Oh, avec sa fifi. Pourquoi on dirait... On va y faire du shopping. Drôle, faire une grimace. Comment ça va? Discuter et faire connaissance. Ah! Excusez. Oh, mais ils s'entendent pas ou quoi? Ça fait mal d'être rejeté, c'est sympa. Bon, ça y est, ça va un peu mieux. Voilà. Ah, cool! Va manger, Aegon. Si j'avais Ramu, mes fils. Voilà. Bon, désolé, ça fait un peu. Il est quelle heure? Il va être 9h. Trop Aegon, joueuse. Bah ouais, tu m'étonnes. Embrasser. Complimenter sa beauté. Joanne, bon allez, on va aller travailler quand même. Hein. Vraiment extrêmement irrésistible. Voilà, allez, faut qu'on travaille. Alors, on doit aiguiser l'épée. Bon, bah ça, on va encore le faire. Discuter des affaires étrangères avec un chef de territoire. Allez, hop. Mais à chaque fois... Il s'est fait niquer. Fatigue musculaire. Bah ouais, il doit aller se battre. Super. Tu sais quoi, mon beau, là, tu vas... Non, mais moi, je voulais retourner au château. Voilà. Tu vas aller au château. Pardon, je sais plus. Tu vas... Si tu as ma fatigue musculaire, tu vas prendre un bain. Ça va te faire du bien. Voilà. Vous appelez ça la musique, fatigue musculaire encore pendant 2 heures. Ok. Bon, il a fait ses tâches ménagères, là, à tirer dans la forêt. On va aller avec la sorcière. Ah! Tu n'es peut-être plus... on m'a même pas entendu. Ah! Tu es peut-être plus futé que tu n'en as l'air. Viens, allons discuter des services que tu pourrais me rendre en privé. Ah là 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 là! Oh, elle me suit! Il va se faire encore attaquer, non? Je sais pas. Je dois agir vite. Je n'aurai qu'une seule occasion de la prendre par surprise. Coquin! Après la nuit que t'as passée... Tu en redemandes. Il est temps de mettre fin à tout ça, sorcière. Affronter la sorcière magnifique. Prends ça, ville sorcière. Merde, il a lui acheté un sort. Arg! Qu'a-t-elle fait? Je me sens si faible, impossible de bouger mes bras. C'est dommage. Maudire la sorcière magnifique avec votre dernier souffle. Non, je ne peux pas laisser les choses se terminer ainsi. Si j'échoue, la ville tombera inexorablement entre les griffes de la maléfique magie. Se réfugier dans la forêt. Allez, va dans la forêt. Mais de toute façon, il va pas mourir, Aegon. C'est pas possible. S'enfuir. C'est ça, hein.
Se réfugier dans la forêt, oui. Ouh! Oh, je pense que ça va être mon prochain personnage, ce sera un sorcier ou une sorcière. À vous de me dire si vous préférez un sorcier ou une sorcière, comme ça au moins je ne vexerai personne pour les sexes que je donnerai. Je sais pas trop, honnêtement, les deux peuvent être cool, donc à voir. Je suis en vie! Je dois retourner à la caserne pour me reposer. Ouais, vas-y. Oh la vache! Il boite et tout! Oh non, pauvre bichon! Somnolence. Mais t'avais pas un baume? On t'avait pas acheté un baume de soins légers. Et tu as utilisé le baume. Je sais pas si ça t'a... Ça t'a aidé, mais t'as avec tes mouches là autour de toi là. Regardez-moi ça. Nye, nye. Ah, c'est cette caméra. Voilà, magnifique. Tiens, pouf, une petite photo. Et qu'est-ce qui se passe? Ok, mais tu devais pas rentrer à la caserne? Aller à la caserne. Mais oui. Je sais pas pourquoi, j'ai fait aller retourner à la maison et... Ah, la malédiction se dissipe. Elle m'a encore sous-estimé que je dois faire pour arrêter ça. Bah tu vas déjà, tu vas dormir. Tu vas manger et tu vas dormir. Parce que là, une soupe de venise. Voilà. Et là, tu es fatigué. Ouais, donc tu vas dire au Squire, invité à se câliner. Mais non. Mais non. Mais non. Et tu vas dormir. Gone. Voilà. Putain, le boucan. Comment veux-tu dormir avec un boucan pareil à côté, quoi? Et bravo, Z. Ah, j'en peux plus. Là, je voudrais que la caméra. C'est horrible, ce son. Ouais, bon, on sent là, il se repose. Non. Oh la vache, Georges, pas possible. Hein. Et ça va mieux, Egon? Tu boites encore ou Non, ça va, il est nickel. Bon, on est très bien. Ma moitié, que serais-je sans vous? Oh, c'est trop chouminette. Bah, elle est où? Elle est peut-être encore enceinte, hein, Charlie Hayes, hein, on sait pas. Allez, on va faire un choix. La sorcière maléfique est de retour. Comment Aegon le chevalier capitaine doit-il préparer son vrai côté? Je convaincrai la souveraine de faire exécuter la sorcière maléfique. Mes gardes coinceront la sorcière maléfique, puis j'interviendrai pour la tuer. Oh, je la verrai bien dans la fosse, moi. Donc on va aller à cet endroit. Je pense que c'est parler à la reine. Sœur, il est compliqué, d'autant plus qu'on ne m'a pas cru auparavant. Peut-être qu'un peu plus de flatterie dans mon approche pourrait me rendre plus convaincant. Je dois retourner au château. Mais t'es où? Mais t'es là. Cette fois, je convaincrai le souverain que la sorcière est réunie vraiment. Shabby doit agir contre cette menace. Ouais. Oh, elle est debout. Elle va se coucher. Ah, ben elle a eu un petit garçon! Ah, c'est rapide. Quoi ce sera? Ah, ben voilà. Alors, non, c'est avec un... Excusez-moi. Oh merde alors! Je savais pas que... Putain, m'arrête de me gagner les oreilles. Je savais pas que ce serait si rapide dans la vache. Allez, on va parler quand même à ta femme de la sorcière. Elle est obligée de te croire quand même, vous êtes mariés. Un petit garçon. Alors oui, mes arguments ont convaincu. Je vais recevoir les papiers nécessaires pour garantir la mort de la sorcière maléfique. Quelqu'un doit aller à la place de la ville et l'annoncer exécution imminente de la porte volontaire. Oui, oui, mais il est avec son petit garçon. Son petit garçon qui a ce teint de peau. Attendez, je vais essayer d'arriver. Regardez, il est bronzé comme papa. Bah, c'est cool. Allez, on va à cet endroit. Nous, il est 4h du mat, on s'en fout, on fait notre vie.
On a engrossé notre femme la nuit dernière, elle a dit... Mais hé, regardez ce qu'elle fait. Puis c'est notre écuyer. Mauvaise. C'est génial par contre. Annoncer haut et fort l'exécution. Quoi? Elle s'enfuit. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, je dois la suivre. C'est une blague. Tu dois aller où? Je ne suis pas sûre de pouvoir l'arrêter. Ah, c'est la fosse. Faut pas la nourrir, la bête. Hein. Mais tu déconnes, Aegon. Attendre que la sorcière meure. Si elle ne fait pas, elle ne fait pas le poids contre la bête. Mais elle s'enfuit. Attendez. Elle était... Elle est là encore. Chevalier. Attendez. Méchant. On peut rien faire? Très. Ah si, c'est bon, pardon. Non, non, c'est bon, j'ai compris. Ça y est, elle se fait... elle est en train de se faire niquer. Attendez, est-ce qu'il faut pas que je la... Ah, c'est où? Je suis quoi? Non, mais elle est... Elle est là-bas. Allons-y. Allons-y gaiement. Allons-y. C'est toujours sympa. Oui. Oui, ça y est. Elle va se faire bouffer par la bête. Oh, la bâtarde. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de copuler avec la bête. Mais non. Elle est en train de séduire la bête. Je suis deg. Pourquoi elle est là-bas? Elle a quand même été tuée par la bête. Ah, j'ai réussi la quête. Oh, c'est cool. Bon, bah, je m'y attendais pas. Je pensais qu'elle allait séduire la bête et puis que la bête serait morte et qu'on aurait dû continuer. Bon. La sorcière maléfique est de retour. Tout était terminé. Aegon, le chevalier capitaine, aurait préféré s'occuper de la sorcière maléfique tout seul, loin des innocents villageois. Mais il n'avait pas eu le choix. Ouais. Heureusement, cela se termina rapidement, avant même que la sorcière maléfique ne puisse utiliser sa terrible magie. Alors, quand la sorcière mourut, une incroyable femme verte jaillit vers le ciel et cracha une fumée nocive qui piquait les yeux et la gorge. Nul doute que cette femme était une créature diabolique. Aegon le chevalier capitaine fut considéré comme un héros et pour le château, et le château lui présenta des excuses pour n'avoir pas agi plus tôt suite à sa mise en garde. Eh ben écoutez, niveau 8, la profession chevalier, c'est parfait. Je pense qu'effectivement, pour l'épisode prochain, parce que là on va s'arrêter là, hein, j'ai essayé, normalement je voudrais faire une quête par épisode, mais comme des fois elles sont très longues, effectivement. Bon, alors, on doit encore créer un médecin, on doit créer un sorcier. Là non, on doit créer personne, c'est quand c'est vert, on doit créer... Ah bah non. Tiens, bah... Voilà. Ah si, on doit créer un forgeron. Ouais, je suis pas très... marchand. La taverne. On a de l'argent. Meublé. Hop, on installe. Voilà, on devra trouver donc... un simbarde. Vous voyez, tous les trucs verts. Mais peut-être que... Je ferai... le sorcier. Il y a l'espion aussi qui m'intéresse pas mal. Donc, bah, si vous avez des idées, des envies, savoir quel sim je vais commencer, sachant que, bah, je pense que quand vous verrez maintenant, j'aurais sûrement déjà commencé à tourner parce que c'est short, vu que j'enregistre les épisodes que le week-end. Donc, forcément, je suis obligée d'avancer. Mais bon, on verra. Au pire, je ferai dans l'épisode d'après, si vous avez des envies, des envies.
Voilà, moi c'est là-dessus que je vais quitter pour ces Sims médiévales du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire du coup pour votre choix. Et tout ça, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!